Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui devant cet arbre magnifique que vous reconnaissez sûrement, un sureau. On va aujourd'hui se faire une recette délicieuse, réconfortante avec les fleurs du sureau. Vous le savez, tiens Minette qui n'est pas rentrée de la nuit, la coquine. Où t'étais, vilaine fille, hein? T'as pas honte de ne pas rentrer à la maison. Allez, file, va manger. Je reprends le sureau, vous le savez, avant de faire des baignoires, ça fait des fleurs blanches et les fleurs blanches sont comestibles. On va les couper, je vais prendre un ciseau, vous allez voir, je vais couper ça et on va filer en cuisine, se faire des beignets. J'adore les beignets de toutes ces formes, hein, sucrés, salés, j'adore ça. Oui ma belle, allez on file parce qu'Arwen a très faim, elle a passé la nuit dehors, cette coquinette. Allez on y va, on file en cuisine. Ça y est, on est de retour à la maison avec Arwen qui vient de prendre son petit déjeuner. C'est une coquine qui passe une nuit sur deux dehors. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle a l'air de bien s'amuser. Le sureau. On va distinguer deux sortes de sureau. Le sureau noir, celui que j'ai moi dans le jardin, et le sureau yèble. Il faut faire très attention parce que le sureau yèble, lui, n'est pas comestible. Alors, pour le reconnaître, c'est très simple. D'abord, la chose la plus rapide, c'est la floraison. Le sureau noir va fleurir fin mai et au mois de juin, et le sureau yèble ne fleurira qu'à partir du mois de juillet. Ensuite, le yèble, lui, va faire jusqu'à 2 mètres de hauteur, généralement pas plus haut, tandis que le sureau noir peut mesurer jusqu'à 5, 6, 7 mètres de hauteur, et le sureau noir fera du bois, contrairement à l'autre qui restera plutôt sous forme de buisson. Alors faites bien attention, il ne s'agirait pas non plus de s'intoxiquer. Alors en attendant, moi je vais vous montrer les ingrédients pour réaliser ces beignets de sureau noir. Il nous faudra de la farine, des œufs, du sel, de l'eau gazeuse et moi pour le fun et pour puncher le tout, je vais mettre un demi-zeste de citron kombawa. On commence notre recette en réalisant une pâte à beignets. Très simple. Dans la farine, on va mettre l'équivalent d'une belle pincée de sel. On mélange. Ensuite, on va faire un petit puits dans lequel on va casser nos œufs. Hop, 1 et 2. Et on va commencer à mélanger. Petit à petit, on va ajouter notre eau. Voilà, tout en continuant de mélanger. Le petit coup de fouet, c'est pas mal aussi, hein, ça évite les grumeaux. Super. Elle est pas mal ma pâte. Hein. Ouais, elle est pas mal. Je rajoute un petit peu d'eau. Ouais. Vous savez l'aspect d'une pâte à crêpes. Allez, c'est bien. Et le petit zeste de kombawa qui fait toute la différence. Alors le kombawa, je sais, on n'en trouve pas partout. Mais franchement, testez parce que c'est vraiment exceptionnel. Pâte à beignet, c'est fait. On laisse reposer une petite demi-heure et ensuite on pourra faire nos beignets de fleurs de sureau. Ça y est, on va pouvoir confectionner nos beignets. Alors c'est très simple. Hein. Les fleurs, on les a coupées. On garde surtout la tige comme ça. On se débarrasse des feuilles. On les secoue un petit peu pour enlever les petites bestioles qui pourraient être dessus. Vous ne les passez surtout pas à l'eau. Voilà, c'est assez facile à nettoyer. Vous voyez, c'est joli. Hein. Et on va tout simplement les tremper dans notre pâte, comme ça. Toc, voilà. On fait chauffer ici de l'huile de friture. Moi, j'ai pris de l'huile de tournesol à feu assez vif. Voilà, on va égoutter un tout petit peu. Alors, on vérifie que notre huile est chaude en faisant tomber un petit peu de pâte dans notre poêle. Ça prend. Allez, on met notre beignet. On le met bien à plat, comme ça. C'est tout. Vous allez voir, ça va être super rapide. Et la tige, en fait, nous permet de gérer notre cuisson. Vous voyez ? Et on laisse frire.
Ok, au bout de quelques minutes, notre fleur est prête, on l'enlève, on l'égoutte sur du papier absorbant et on recommence, tout simplement. Voilà, c'est fini. C'est hyper simple à faire, c'est cadeau. On prend ce qu'on a dans le jardin, on fait une petite pâte à beignets, farine, œufs et eau, ça coûte pas grand chose. Le kombawa, c'est facultatif, vous pouvez remplacer par un zeste de citron classique. Alors ces beignets, regardez, vous allez les présenter avec du citron, c'est délicieux, arrosé d'un jus de citron, ou vous pouvez prendre toutes les sauces que vous voulez pour les manger. On va se le goûter nous tout de suite. J'ai déjà goûté, hein, j'avoue. Mais c'est super, 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 super joli et c'est délicieux. Hop, allez, on prend un petit morceau de beignet. Regardez-moi ça. Avec une salade. Hein. C'est trop bon. J'adore. Les amis, refaites cette recette. Si vous avez du sureau dans le jardin, profitez-en. Il est en fleur. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve mercredi pour une recette avec un fruit de saison. Je vous embrasse. Mouah ! À mercredi et bon début de semaine. Ciao !